Bonjour à tous. Aujourd'hui, le ballet Inyangé ouvre ses portes à Arlon. Le ballet s'agrandit, on accueille de nouveaux membres, de nouvelles chorégraphies, on s'élargit à travers la Belgique et on vous propose de nous accompagner aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je suis dans le ballet, à vrai dire je suis là depuis sa création en 94. Donc j'ai commencé comme Coco à l'âge des plus jeunes qui sont avec nous. Et au début c'était en suivant ma mère qui venait justement s'entraîner elle aussi pour pouvoir poursuivre la culture et la transmission. Bienvenue au premier entraînement d'Inyangé à Arlon. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'accueillir de très nombreux participants, comme vous pouvez le voir. C'est un projet qui est né à l'initiative de Diane et Thierry, qui sont ici également. Pour répondre à cette demande, nous avons donc décidé d'organiser des entraînements ici, toutes les deux semaines, à partir de maintenant. Donc le premier jour c'était magnifique, il y avait du monde, il y avait plus de gens qu'on avait espéré en fait, et l'ambiance était géniale, avec le groupe de Inyangé qui est venu de Bruxelles, on a pu faire la démonstration, on a eu le chant live, l'énergie et tout. Je pense que tout le monde qui est venu aujourd'hui a beaucoup apprécié et je m'attends à ce que les gens ils vont en parler autour d'eux. Voilà, donc il a très bien résumé, c'est vraiment une belle journée et on peut voir qu'il y a une première dynamique qui se crée avec vraiment la motivation de la part de toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui. Et on peut déjà voir les progrès, en seulement 2 heures, on peut déjà voir les progrès qui commencent à se faire ressentir. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, si vous n'êtes pas encore venu, on vous invite à venir faire un essai. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour venir. Et on vous attend impatiemment à la prochaine séance. La rentrée du ballet Inyangé à Arlon s'est enfin clôturée. Nous vous invitons à nous rejoindre jusqu'au 31 décembre. Les inscriptions sont ouvertes. Merci.